the rock and roll music, and I like to dance the cha-cha-cha. I got the mambo fever, and I like to sing the shingaling. I like the rock and roll music, and I like to dance the cha-cha-cha. Il s'est passé un événement qu'on avait programmé, qui est un événement important, puisque nous voulions marquer les 100 jours qui nous séparaient du début des compétitions, du 23 août prochain. Et l'idée, c'était d'associer tous les partenaires à une présentation de l'environnement général de ces Jeux dans la mobilisation des acteurs du développement territorial. Puis lui donner une dimension un petit peu festive, car ce soir, au Cargo, c'était aussi la fête, 100 jours avant. C'est l'occasion pour tous ces gens qui participent quelque part au projet, qui sont les salariés du GIP, leurs familles, les partenaires, les bénévoles, certains, les élus, les collectivités, les techniciens, voilà. Tous ces gens qui sont la famille de ce projet sont là ce soir. On accueillait 600 des 800 personnes sont venues, donc c'était plutôt pas mal. On a rempli la salle, il y avait des gens debout. On les accueillait par un petit photocall avec nos mascottes, un petit moment d'attente. Et puis après, on les a installés dans cette salle de 550 places. Alors, on a présenté l'ensemble des animations qui vont avoir lieu sur le village. Le village des Jeux, c'est un espace de 110 000 m² qui sera ouvert tous les jours de 11h du matin à 10h le soir pendant 15 jours. Donc, on a parlé un petit peu restauration, on a parlé animation, carrière principale et carrière pour les enfants. On a parlé All-Tech Music Festival, on a parlé cheval de travail. Notre idée, c'est d'amener le plus grand nombre de gens à la découverte de ce sport, qui est un sport populaire, accessible, avec plein de valeurs qu'on aime et qu'on a envie de faire partager. Ce soir, en fait, c'était le grand moment où on a dévoilé la programmation du All-Tech Music Festival. C'était, je pense, un moment à la fois attendu par les organisateurs et puis par le public. Voilà, ça va être 8 jours de fête, 8 jours de partage, d'émotion qu'on a souhaité effectivement partager dès aujourd'hui. Il y a un petit décompte parce que le J-100 c'est officiellement demain. Donc le petit truc c'est d'aller jusqu'à minuit pour faire les 10 dernières secondes.